Good morning, Aleida Netitro. Aujourd'hui, le Nishmat Avram, Chayinor Ben Fortuné Mazal, Edida Bet Esther, Dov Ben Yehudit, Micha Machlouf Ben Masouda, Nachman Yosef Ben Nachum, et Yaakov Nissim Ben Chana, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de deux Mishnah connectées à la sacrée éternelle. Nous étudions la Sechet Mila, Perik Dalet Mishnah. Kol Aochalin Mistarfim Nifsol, Tagevia Bechatzipras, Bimzon Shte Soudot Laïrouv, Bekabeza Letamitumat Ochalin, Bechagogeret Lotzad Shabbat, Bechakotevet Beyom Hakipurim. Kol ha-mashkin mitztarfin lifsol et ha-geviya ba-revi'it bimlo lugmav beyom ha-kipurim. Bon, depuis le début du chapitre, on découvre toutes sortes d'éléments qui s'associent pour former une mesure interdite par la Torah. Je m'explique. La Torah interdit toutes sortes de choses à consommer, à tirer profit, à d'autres choses qui vont rendre impures si on les touche. Et la question, et en fixant donc une mesure, et la question est de savoir quels éléments vont s'associer pour former cette mesure-là. Parce que des choses qui n'ont pas de rapport entre eux, imaginez, on va en parler voilà, aujourd'hui par exemple dans notre Mishnah. Yom Kippour, on transgresse si on mange une certaine quantité ou si on boit une certaine quantité. Si j'ai bu la moitié de la quantité, j'ai mangé la moitié de la quantité, ça s'associe. Est-ce qu'on peut associer? C'est un peu le sujet donc, de tout notre chapitre, à savoir. Quel type d'éléments vont s'associer? On a parlé des différents interdits de Nevela. Il va y avoir des fois de la vache qui va s'associer avec du mouton, parce qu'ensemble, ça a le même interdit de Nevela. Ou encore pour véhiculer l'impureté, c'est ce qu'on a vu dans les dernières prochaines Mishnahot précédentes. Et à présent, on va encore plus s'étaler sur différents sujets de la Torah. Et le premier, c'est Kol Ochalin Mitztarfin. Tous les aliments s'associent, attention. Regardez, on a la Mishnah qui est coupée en deux. Il y a la première partie, c'est associer des aliments. Et deuxième partie, s'associer des boissons. Mais aliments et boissons, ça ne s'associe jamais. Presque. On a vu un cas particulier avec le sang du chéretz qui s'associe avec le chéretz lui-même. C'est relativement rare. En général, ça ne s'associe presque jamais. Pour le moment, on parle des aliments qui vont s'associer ensemble. Donc, tels sont les aliments qui vont s'associer pour former la mesure requise. L'ifsol et agavia bekechatib. Le Mishnah dit. Tous les aliments s'associent ensemble pour plusieurs causes en même temps. Soit l'ifsol et agavia bekechatipras, rendre inapte le corps, ouais, je traduis littéralement, l'ifsol c'est invalider, et agavia c'est le corps humain, bekechatipras, pour la mesure de un demi-pras. Voilà ce qu'il y a écrit, et j'explique, c'est très simple. Tout simplement, lorsque l'on mange un aliment impur, selon la Torah, on ne devient pas impur. D'accord? Donc si je mange quelque chose d'impur qui est profane, il n'y a rien de grave, je reste pur, je n'ai pas besoin d'aller au mikvé. Pour rendre impur un homme, il faut nécessairement quelque chose qui soit avatouma, mais quelque chose qui est richon ne rend jamais impur. Maintenant, malgré tout, Chachamim ont décrété, ça se trouve dans Masechet Shabbat, la fameuse Mishnah des Yudchet Davar, les 18 tekanot que Bet Shammai et Bet Hillel ont fait ensemble, ils ont été Metaknin, c'est toute une histoire, on y arrivera dans Bezrat Hashem bientôt. Relativement bientôt, on finit bientôt Kochi, on verra, je pense qu'on va commencer Moed. Et donc en tout cas, pour le moment donc, il y a une takana que Chachamim ont fait, c'est que quelqu'un qui va manger des aliments impurs, il va devenir impur. C'est une takana que Chachamim ont fait pour la simple raison que, de peur que le Kohen il va manger des aliments impurs, il va manger aussi la trauma. Le problème ne commence que si on mange de la trauma impure, ou si on va manger d'une plus forte raison des Kochim qui vont être impurifiés. Maintenant, Chachamim, ils ont eu peur, imaginez au Cohen, on va lui dire, bon, tu sais, t'as le droit de manger, si tu veux une pomme impure, mais tu manges aussi de la tourma. Tu vas le mettre les deux à table, tu vas faire attention de ne pas les mélanger, et tu vas commencer à manger de la pomme, et il va te rester un peu de pomme dans la bouche, et tu vas te mettre à mettre un bout de pain qui est tourma. Et bien dans ce cas-là, tu vas transgresser le grave interdit de manger une tourma impure. Chachamim, on fait une takana, si jamais tu manges quelque chose d'impur, tu dois partir. Tu te trempes au mikvé, tu deviens impur. Ils ont décrété une impureté. Mais ça, c'est à condition qu'on va manger ce qu'on appelle un chatsi pras. Un demi d'un pras. Je ne sais pas, vous avez sûrement entendu parler de Kazaït Birda Achilat Pras, les lecteurs du 5 minutes éternelles, ils connaissent ça. On en a parlé dans la dernière année. C'est l'histoire quand on mange la quantité de gâteau qui s'appelle un pras entier, 4 beitim, l'équivalent de 4 œufs. Donc là, on te dit, si jamais tu manges une quantité de un demi pras, un pras c'est la moitié d'un pain, de l'époque c'était une mesure fixe pour les pains, et tu vas manger le demi du demi pain, et bien dans ce cas-là,
d'aliments impurs, tu deviens impur. Ok? Et là, le Mishnah enseigne, tous les éléments s'associent. Un bout de pomme, un bout de poire, un bout de viande et un bout de fromage même. On continue. La Mishnah me dit, Bimzon shte seudot le eruv. Ou encore, tous les aliments s'associent ensemble pour former la quantité requise de deux seudot pour un eruv. Une seuda, c'est un pras. Donc il faut deux seudot, ça fait deux pras. Il me semble, je ne l'ai pas vu écrite, c'est étonnant d'ailleurs. Bimzon shte seudot, ils n'ont pas précisé. Shesh beitzim. Ou 8 betim, c'est exactement ça. On va expliquer tout en 30 secondes. D'abord, je finis d'expliquer le cas lui-même. C'est que, vous connaissez Eruvetroumin. À l'extérieur de la ville, j'ai le droit de sortir jusqu'à une mesure de 2000 amas, l'équivalent de 1 km. J'ai pas le droit de dépasser plus. Il y a un interdit de Troumin, de Rabanan, Troumin de Raïta, peu importe. J'ai pas le droit de dépasser à l'extérieur de la ville. Ouais, on a le périmètre de la ville. Depuis le moment où on sort de la ville, en direction d'un endroit où il n'y a plus de. Il n'y a plus de maison, et bien après 2000 amas, 1 km, je dois m'arrêter, j'ai plus le droit de continuer à marcher. Si je veux partir plus loin, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un Eruv Troumin. Avant Shabbat, je vais devoir amener l'équivalent de 2 repas, quantité de requise, donc qui va être l'équivalent de 6 ou 8 betim, 8 œufs en volume, et je les pose dans un endroit. Et du coup, j'ai le droit d'aller jusqu'au Eruv, et à partir du Eruv, on me donne encore une fois 2000 amas. J'aurai du coup 2 km dans ce sens. Dans ce sens, je n'aurai plus le droit de partir de l'autre côté. On aura l'occasion de découvrir tout ça dans ta chaîne, dans ma secrète Eruvin. Maintenant, pour apporter un peu plus de précision sur le pras, en fait, c'est le mazon. Un pras, c'est de quoi manger un repas. Ouais. L'équivalent, c'est 3 ou 4 beitim. L'équivalent en volume, 3 ou 4 œufs. Un repas, en théorie, si je voudrais. Manger du pain pour ne pas mourir de faim. Ouais, pour manger, être en bonne santé, il faut manger beaucoup plus. La demande d'Eruvin, elle explique. Pour ne pas mourir de faim, être quand même pouvoir. Un pauvre, par exemple, qui mange sans crever de faim, le pauvre, il mange pas à satiété forte, mais de quoi, malgré tout, avoir un peu de force. Alors, c'est l'équivalent de manger un pras à chaque repas. Le matin et le soir, 2 repas par jour dans la Torah. Et donc, un pras, ça fait une marque entre le Rambam et. Les autres mafarchim, est-ce que ça fait 3 ou 4 œufs? Ok? Et donc, pour rendre impur, c'est la moitié d'un pras, donc ça fait la moitié de 3 ou de 4 œufs, donc soit un œuf et demi, soit 2 œufs. Et pour l'histoire du héros, il faut laisser cette fois-ci 2 fois le pras, donc 6 ou 8 œufs. Le Bartonora, il explique. Durant toute la Mishnah, il interprète à chaque fois. Beka beitza, letame tumatuchalim, maintenant. On continue maintenant, un autre cas de figure. Ou encore les aliments s'associent, cette fois-ci c'est de 1 kabeitza, une mesure d'un kabeitza pour rendre impurs les aliments. J'explique, pour véhiculer une impureté, si je vais prendre, tout à l'heure j'ai pris le cas de la pomme, que le kohen mange une pomme, c'était pas exact. Il faut, si je mange un bout de pomme, un peu importe, une pomme, pour qu'une pomme impure va véhiculer l'impureté sur un autre aliment, il faut nécessairement qu'il y ait un volume d'une pomme de 1 beitza. Ok? Donc tous les aliments s'associent, c'est-à-dire je vais prendre un bout de pomme, un bout de poire et un bout de viande ensemble. S'ils sont les 3 ensemble, eh bien maintenant ils vont pouvoir véhiculer l'impureté. J'ai un petit doute que je ne sais pas, un élément qui m'échappe, c'est de quelle manière il faut les associer, parce que si ils sont distincts, ça s'associe, il faut faire quoi? Il faut faire une boulette entre les deux. J'ai pas ouvert de livre non plus, mais en tout cas sur ce qui est expliqué ici, ça n'a pas été précisé. On continue sur la suite de la Mishnah, Bekagrogeret, Lehotzaat Shabbat. Une groguerette, une figue sèche, pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat. Porter à Shabbat, c'est interdit. Faire sortir un aliment à l'extérieur du Reshut Arabim, donc c'est interdit, mais il y a une quantité requise, il faut que ce soit une quantité importante. Quelqu'un qui va sortir avec une petite pépite, il va transgresser qu'un interdit de Khati Shiur, il ne va pas atteindre la mesure interdite par la Torah. C'est quoi la mesure interdite par la Torah? Dans Shabbat, on parle très longuement, il y a plusieurs chapitres qui vont parler beaucoup de ça. De manière générale, tous les aliments, ils seront mesurés avec une mesure de une groguerette. Alors, une groguerette, c'est un volume donc d'une figue, et le Tiferet Israël rapporte ici, c'est l'équivalent de 1/3 d'œuf. Alors que un Beitza, c'est l'équivalent plus ou moins d'un demi-œuf, un petit peu moins. 1/3 d'œuf, si ça vous dit en volume, c'est l'équivalent de, prenez, je ne sais pas, 56 centimètres cubes, millilitres, c'est le volume d'un œuf, donc le tiers de ça.
Et puis, on continue. Donc, ça, c'était le Hotsa Shabbat. Et Chakotevet Beyom Kippurim. L'équivalent d'une date. Une date un peu épaisse pour Yom Kippur. Alors, Yom Kippur, c'est assez original ce qui se passe. De manière générale, lorsque la Torah interdit de consommer quelque chose, de manger, alors la mesure sera en général un kazaït. Rov shiurem be kazaït, la Gemara nous dit dans Souka. La plupart des aliments, c'est mesuré avec un kazaït, de nevela, de chazir, de, pour manger, pour transgresser. Mais pour Yom Kippur spécifiquement, il y a une mesure différente. Il faut manger l'équivalent d'une gros guérette, qui a un volume un peu plus grand. C'est l'équivalent, il nous dit le Barthénois, c'est l'équivalent de deux étimes. Et deux étimes, ça ne fait pas exactement qu'un bêta. Un bêta, c'est un peu plus grand que deux étimes. Comme ça, c'est expliqué dans le Tiferet Israël. Concrètement, pourquoi cette différence? Parce que la Torah, dans Yom Kippour, elle ne m'a pas interdit de manger. Elle nous a imposé vous souffrirez. La mesure requise, c'est une mesure qui calme, qui apaise plus la faim qu'un kazaït. Un kazaït, ça n'apaise pas vraiment la faim. C'est sympathique pour donner un petit goût dans la bouche, mais ça peut même exciter l'appétit. Il faut avoir une quantité qui va faire que si je l'ai mangé, je ne suis plus en train de souffrir à Yom Kippour, parce que je me suis apaisé, il faut manger une gros guérette. Une gros guérette, donc c'est l'équivalent de deux étimes. Et on a fini la première série des aliments qui s'associent, donc, pour les différents interdits, on a parlé de l'impureté, on a parlé de véhiculer l'impureté à quelqu'un d'autre, on a parlé du hérouv, on a parlé de se faire sortir les éléments Shabbat, et le cinquième, c'était donc la quantité requise pour Yom Kippour. Deuxième partie de la Mishnah, c'est Kol HaMashkin Mitztarfim, tous les liquides s'associent, cette fois-ci, l'ifsol atagavia et agavia berevit, pour rendre impur le corps de celui qui boit avec un revit à log, c'est ce qu'on la quantité requise de la plupart des boissons qu'on boit à notre époque, il faut boire un revit. Même pour le kiddush, a priori, il faut boire un revit aussi, pour faire à la mikhia, pour faire à la geffen, quand on a bu du jus de raisin, pour boire, quand on boit de l'eau, il faut boire une quantité de 1 revit, 86 millilitres, équivalent gematria, kos, d'accord, kos, ça fait 86. Et donc, maintenant, selon le même principe que Rami on fait un décret, que si on mange un aliment impur, on va soi-même devenir impur, pour consommer, il fallait manger, deux bétim ou un bétim et demi. Pour la boisson, c'est l'équivalent de 1 revi italog, donc les 86 cm3. Et kimlo lugmav beyom kippurim, ou bimlo lugmav beyom kippurim, et une, je sais pas comment on va dire ça, une bouchée, une, de quoi prendre une dose de boisson qu'on va mettre dans la joue, gonfler la joue, remplir la joue, pour Yom Kippur. C'est-à-dire la quantité de boisson requise. Et là, c'est intéressant, parce que Yom Kippour, pour manger, pour transgresser l'interdit de manger, il faut manger plus que la mesure requise. Pour boire, il faut boire moins que la mesure requise. Mais le Lougmav, il nous dit, le Tiferet Israël, c'est l'équivalent de remplir la joue avec du jus. Prenez du jus, remplissez bien la joue, chaque personne, selon la taille de sa joue, et avalez ça, ben vous avez bu la quantité de Melolougmav. Celui qui va boire cette quantité-là à Yom Kippour, il transgresse l'interdit de la Torah l'a imposé, donc il ne faut pas ni manger ni boire, eh bien on transgressera. Maintenant, il nous dit, le Tiferet Israël, il nous dit, vous pachot merevit, c'est moins qu'un revit. Vous avez remarqué la différence? Ayom Kippour. Donc, de manière générale, tous les interdits de la Torah qui sont à consommer, eh bien, c'est un kazaït, à boire un revit. Pour Yom Kippour, on a changé la donne, parce que le principe là-bas, c'est pas le problème de manger ou boire, c'est le problème qu'on n'est plus en train de souffrir. Donc pour manger, on te demande qu'il faut que tu manges plus que la quantité requise pour transgresser l'interdit de la Torah. Mais pour boire, c'est boire moins que la quantité requise en général. Parce que melolugmav, c'est moins qu'un revit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha kol tov.